Hey, ma touffe! Je me suis couchée les cheveux mouillés, puis sérieux, c'est vraiment pas cute. Mais c'est pas grave parce que ce matin, on commence la journée en allant au gym. Fait que ça faisait longtemps que j'avais pas été comme aussi tôt. En fait, je suis pas encore allée, là. Mais il est 8 heures, bien exactement. Et puis, c'est ça, j'ai une méchante journée. J'ai une méchante. J'ai une méchante grosse journée devant moi. Fait que je voulais commencer par ça aujourd'hui pour me donner un petit boost d'énergie. Puis que ce soit fait aussi. Fait qu'on va aller au gym directement. Après ça, je vais me préparer là. Puis c'est là où on va arranger cette petite étouffe là. Je me suis habillée en conséquence. J'ai mis déjà mon linge de gym. Puis j'ai mis ma nouvelle veste que j'ai pris à l'aubainerie dans la section solde que j'aime tellement. Fait que. Je suis vraiment contente de l'avoir. Alors, je vais ramasser mes petites affaires, puis on va aller faire un petit peu de cardio. Bon, fait que je viens de revenir du gym. Finalement, j'ai pas filmé pantoute parce que j'étais juste concentrée dans mes petites affaires, mais j'ai fait exactement la même chose que d'habitude. Pourquoi tu me regardes de même? J'ai fait. Ok, oui. J'ai fait une demi-heure de cardio, puis un petit peu de foufoune. Puis là, je suis revenue à la maison. Je suis allée me chercher un petit cappuccino au McDo. Fait que c'est ça. Puis je viens de me faire à déjeuner. Je vais me rajouter un sucre dans mon café parce que ben, un demi, là, d'habitude, je pense tout le temps à leur dire, mais j'ai complètement oublié. Fait que je me suis fait ma petite galette de riz avec beurre de peanut, confiture de fraise, un œuf sur lequel j'ai mis les assaisonnements de bagel, puis mon petit cappuccino, ben mon café, non, mon yogourt au cappuccino. Fait que je vais manger ça tranquillement, pas vite. J'ai essayé de me préparer comme je pouvais. J'ai pas fait mes cheveux, mais en tout cas, c'est moins pire que ça l'était ce matin. Puis je vais ramasser les affaires parce qu'on s'en va faire des petites photos ce matin pour Anto. En fait, on était censé avoir deux séances photos et puis il y en a une que la fille finalement elle a un imprévu. Fait qu'elle pourra pas être là. Alors, on va aller, c'est ça, faire des photos avec l'autre fille. On va à Longueuil, fait que c'est vraiment pas loin de la maison. Et puis, il y a comme une espèce de petite passerelle qu'ils ont construite, je pense, il y a une couple d'années, qui est vraiment belle. Je pense qu'ils ont fini de construire genre l'année dernière. Alors, on va aller là. Puis, ça va faire changement, ça va être différent. Fait que c'est ça, je me mets une coupe de stock. Ben, ça, en fait, cet outfit-là, qui est juste genre mon chandail jaune que j'ai pris à la friperie. Et puis, mon manteau de cuir du Ardennes que j'amène. Et puis, une autre laine que j'avais hier, que j'ai pris à l'aubainerie la semaine dernière. Je pensais que t'étais déjà partie. Fait que c'est ça. Je vais amener ces deux petits outfits-là pour qu'on me fasse des photos en même temps qu'à y être. Puis ça va être pas mal ça. Fait que ça a l'air de se réchauffer, le soleil sort. On va être bien, c'est le fun. On a du plaisir. C'est cute! C'est tellement beau comme endroit. T'as-tu vu l'affiche? Fermé pour l'hiver, je suis la porteuse officielle de casquette. Et t'as un tantinet trop grande pour moi, par exemple. Ah, oh, j'ai l'air une petite tomboy! On est arrêté dans la microbrasserie sur le chemin pour retourner à la maison. Puis il y a tellement de bière, c'est ridicule. Puis checker le marketing, comment il est incroyable. Genre, les couleurs sont vraiment hautes. Tu sais, ça, c'est trop cool. Celle-là avec. Elle est trop belle. Moi, je me suis pris une caisse de 16,64 parce que c'est vraiment la meilleure. Mais sans alcool, c'est la première fois que je vois ça. Je pensais même pas que ça existait. Mais c'est débile, là. Il y en a en maudit, là. Alors, tant qu'à être sortie pour faire des photos, on a dit qu'on allait m'en faire aussi. Fait que là, je suis en train de me changer parce que. C'est ça, j'ai fait mon chandail que j'avais ce matin, là je vais faire celui-là que j'avais hier. Puis on va en faire une pour Anto aussi. Puis après ça, on va retourner vers la maison. Je vais arrêter de chercher, j'ai un petit colis que j'ai reçu hier quand on était la demi-heure quasiment où on n'était pas à la maison. J'ai reçu mon colis, fait que on va aller le chercher en retournant. Puis je pense qu'on va arrêter à l'épicerie, mais je vais voir. Fait que on va faire ça avant que j'aille trop froid. On vient de revenir à la maison, d'arrêter chercher mon petit colis. Ça s'est super bien passé avec la fille. Les photos ont vraiment bien sorti. J'ai hâte quand on les retouche pour voir à quoi ça va ressembler. Puis ça, on m'en a fait une coupe. Fait que ça aussi, ça a vraiment bien sorti. Je suis contente. Puis c'est ça, on va aller chercher mon petit colis. Dans le fond, j'ai pas pris grand chose là. Il y avait un haut
maillot que j'avais... En fait, il y a un maillot deux pièces que j'ai commandé, mais le haut que j'avais commandé était trop petit. Pourtant, je connais mes grandeurs, là. Mais bon, j'imagine qu'il était fait plus petit, fait que c'est vraiment juste un petit tube top comme ça que j'ai pris. Fait que avec le haut de maillot noir qui monte quand même assez haut, c'était vraiment cute. Puis l'autre petite affaire que j'avais commandée, c'était une robe avec des petits boutons comme ça et une petite ouverture dans le bas. Fait que je l'ai pas essayé, j'ai vraiment hâte, mais je pense bien que ça va être pas mal cute à arriver genre au niveau des genoux. Fait que c'est super, puis le tissu est comme vraiment flowy, léger là. Alors, je suis bien contente, j'ai hâte d'essayer ces deux petites pièces-là. Puis, comme vous avez vu, on est arrêté à la microbrasserie, fait que c'était vraiment, ben pas à la microbrasserie, mais un dep dans lequel il y a plein de bières de microbrasserie. Moi, je me suis pris de la bière sans alcool, la 1664, comme je vous ai dit, c'est vraiment une de mes bières d'été préférées quand il commence à faire chaud. Puis, Anto s'est pris la Fashionista. On remarque le marketing incroyable. T'as opté pour quelqu'un qui te ressemble. Puis l'autre, c'est la mandrille, saison brette et tropicale. J'ai pris pour le design. Fait que, ouais. Anto se fait vraiment avoir par le design. Fait que, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça goûte? Moi, c'est pas trop mon genre, les bières de microbrasserie, pour être bien honnête. Je bois pas beaucoup de bières. La 1664, ça doit être à peu près une des seules avec les blanches que j'aime vraiment boire. Fait que, c'est ça. C'était juste cool à aller boire tout ça. Fait que je pense que pour une bonne partie d'après-midi, j'ai quand même pas mal de travail et de trucs à faire à l'ordi, fait que faut vraiment que j'aille m'attaquer à ça le plus rapidement possible. Oh mon dieu, j'avais une couette puis c'est cute. J'ai juste de finir mes devoirs, je suis tellement contente, j'avais hâte, j'avais vraiment hâte. En fait, j'ai fait pas mal plus que ce que j'étais censée faire, mais je me disais que tant qu'à m'asseoir puis rien faire, j'allais prendre l'avance. Fait que je suis vraiment contente, c'est une bonne chose de faite. Il est rendu 6h30 les deux, on a vraiment faim, fait que on va aller se faire un bon petit souper. Moi, je suis en train de faire les petites barres qu'on a faites la semaine dernière, fait que dans le fond, j'ai une recette de ça sur ma chaîne dans une des dernières vidéos. Dans le titre, c'est écrit, c'est les barres énergétiques ou énergisantes. Puis c'est ça, toute la recette est là, mais c'est super simple à faire, fait que ça prend juste quelques ingrédients. J'ai terminé ça, je vais mettre ça au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, Anto, il fait les petites asperges avec de l'ail et du sel. Et puis ici, on a les petites pâtes. On a encore fait les nouilles au blanc d'œuf. Fait que ça compte comme notre riz, mettons. Puis ici, on a le poulet qui est prêt dans 4, 3, 2, 1. Je vais regarder, je l'ai mis moins longtemps juste pour vérifier. Miam, ça sent tellement bon. Avec les petites barres, je vais les mettre au réfrigérateur le temps qu'on mange, puis ils devraient être prêts après. Ça a l'air délicieux. T'as vraiment bien réussi les asperges, je crois. Ça a l'air très bon. Fait qu'on va aller manger. J'ai faim, ça va être bon. Bon appétit. Le souper était vraiment bon, puis là on est en train d'écouter, c'est parti un nouveau film, ça s'appelle Snowden. C'est genre une histoire vraie par rapport à un gars qui aurait travaillé dans la CIA. Ça fait un bout de sorti quand même là, qui aurait travaillé dans la CIA puis comme tout révélé les secrets des gouvernements ou je sais pas trop quoi là. On n'est pas rendu bien loin, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis comme un peu sous le choc, toi aussi. Puis là, on s'est fait un plan parfait. On a ouvert le divan-lit. Puis on va écouter notre film. Oh. On vient juste de finir le film, c'était vraiment bon. C'est vraiment genre perturbant. Je peux pas croire qu'on n'avait pas regardé ça avant. Et puis là, on est vraiment fatigué. Fait que je pense qu'on va aller se coucher. Alors là-dessus, ben, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis nous, on va se voir demain. Bye bye tout le monde.